Tiens, de la lave. Je vais aller vers la lave quand même pour voir s'il n'y a pas une petite, une espèce de sorte de tombe. Yo tout le monde, c'est Dan Vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt originale dans un sens et non originale dans l'autre, tout simplement car aujourd'hui, on va faire une petite expérience sociale. On va tester, voir. Je sais pas si vous avez, si vous êtes au courant, mais si vous regardez un petit peu toutes les vidéos américaines, toutes les vidéos américaines MCPE, si vous êtes un petit peu dans, si vous regardez un petit peu tout ça, vous avez pu remarquer qu'il y a eu énormément, mais énormément de vidéos faites sur MCPE, sur Minecraft, quand on jouait à 3h du matin pour voir Herobrine ou des petites choses comme ça. À ce qui paraît, c'est totalement hanté. Du coup, aujourd'hui, on va jouer à 3h du matin sur un très très vieux monde que j'avais créé avant de commencer ma chaîne YouTube. Et puis, on va voir si c'est vrai, si c'est un fake ou quoi. Bref, c'est parti. Ok les gars, là du coup il est 3h et quelque chose, je crois qu'il est 3h06 ou une connerie comme ça. Du coup désolé si je parle pas hyper hyper fort. Donc voilà, donc d'abord, tiens ce monde là, hop, je vais juste le supprimer, voilà comme ceci. Donc là je vais aller sur un vieux 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 monde que j'avais créé avant de commencer ma chaîne YouTube, donc ça doit faire un an et demi que ce monde doit exister, une connerie comme ça. Donc ce que je vais faire écouter, c'est que ça fait vraiment un bon bail je n'ai pas été dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le visiter avec vous. Et on va voir s'il n'y aurait pas des petits trucs plutôt bizarres comme il est 3h du matin. Après moi je personnellement je n'y crois pas du tout et je pense pas que ça va arriver dans la vidéo. Voilà, je pense à mon avis que c'est vraiment du gros 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 fake. Voilà, que les Américains font ça pour le fake quoi, mais je pense pas du tout que ce soit vrai. Du coup on va tester ça tout de suite. Hop, là on peut voir déjà les richesses du drapeau de France. Oh là 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 là, ça fait vraiment un bon bail. Ça fait vraiment un bon bail que j'ai pas été là-dessus. Je me rappelle plus énormément de tout ce qu'on avait fait, mais on avait vraiment fait un monde survival de fou parce que c'était moi et mon petit frère, on avait fait tout ça, c'était vraiment un truc de malade. On avait fait des petits shops, c'était plutôt stylé. On avait fait des petits magasins, que ce soit pour le bois, pour les potions. Après, je me rappelle vraiment plus du tout. Oh lolo, l'écriture, comment j'écrivais ça, je sais plus si c'était moi ou mon frère, mais en tout cas ça avait pas intérêt à être moi qui écrivais ça parce que c'est vraiment écrit hyper mal. Ça je m'en souviens quand on l'avait fait, on avait mis pas mal de temps. On va pas aller, on ira dans le Nether après, parce que là le but c'est quand même de voir des choses plutôt anormales. Donc là il y a vraiment rien quoi, il y a aucun bruit, il y a vraiment vraiment rien. Est-ce que ça allume les autres lumières? Ah oui, ah, c'est plutôt stylé, on avait fait un petit système de redstone plutôt cool. Là c'était la mine, attendez je vais voir juste j'ai quoi comme stuff sur moi. Ok, full fer, j'ai pas un stuff énorme non plus. Mais bon ça va. Si vous voulez d'ailleurs je vous mettrai le monde donc dans la description. Je vous le mettrai en téléchargement comme ça. Vous pourrez aller le voir si vous avez envie. Ça fera ça pourra être plutôt cool si jamais vous avez envie de visiter ce que je faisais avant. Hop, mais voilà, c'était plutôt stylé ce qu'on faisait quand même. Aussi, on avait foutu pas mal de petits passages secrets, mais ça, par contre, je serais incapable de m'en souvenir. Il y a juste un passage secret sur lequel je me souviendrai. Il était bien plus loin, je vais vous montrer ça plus tard. Ok, là, on avait fait un petit truc de potion. Bon, pour l'instant, il n'y a vraiment absolument rien. On n'a pas vu de bruit totalement bizarre, on n'a pas vu de choses plutôt cheloues, genre Herobrine qui apparaît ou des petits trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas à manger par hasard? Non. Ça fait vraiment un bail que je suis pas allé dans ce monde, je vous dis. Du coup, si je me souviens plus où est la nourriture, etc., faut pas m'en vouloir. Hop.
Par contre, j'aurais pas dû prendre des cookies, ça prend énormément de temps à manger. Là-haut, on avait fait un truc plutôt sympa, mais on va pas aller voir ça. Oh là là, désolé, il y a la tempête, on est en pleine nuit là. C'est les bruits de chez moi, hein. C'est pas du tout les bruits dans Minecraft. Si vous irez par là-bas, vous pourrez aller voir un moulin, ça par contre je m'en souviens. Je sais pas si je vais y aller tout de suite, mais en tout cas voilà, il y aura un moulin si vous allez vers là-bas. Là, on peut voir, c'était une banque. Oh là là, ça fait du bien de retrouver ces vieux petits mondes. Donc ça, c'était une banque en fait. On allait là pour demander des émeraudes au banquier. Et le banquier donnait aux gens contre quelque chose. Contre des émeraudes, genre tous les mois, et ça marchait plutôt bien. Bref, on s'était vraiment fait une méga aventure, c'était vraiment hyper cool. Si vous avez des mondes aussi, n'hésitez pas à me les donner, à me montrer ou à faire des petites vidéos pour vous montrer vos mondes, ça peut toujours être cool. Ça fait vraiment plaisir en fait de retrouver ces très très vieux mondes qu'on avait fait il y a un bon bail. Là, c'était la petite cabane de pêcheur, on n'avait rien noté. Voilà, c'était plutôt cool. Voilà, donc là, après, on va aller vers là-bas. Là-bas, c'était ma petite maison. Oh là là, par contre, les builds, ils étaient d'une qualité. Du coup, on va aller, ouais, on va aller là-bas. Ça, je m'en souviens, c'était la maison à moi. Je vais vous montrer quelques petits passages secrets. Pour monter, c'était vraiment hyper sauvage, en fait. Moi, je passais par là. Et je voulais garder un truc vraiment plutôt sauvage. Genre, voilà, c'était ma petite aventure en survie quoi. Avant, comme je connaissais pas les serveurs, de toute manière je devais bien trouver un moyen de m'amuser. Puis franchement je m'amusais plutôt hop bien. Voilà, ça c'était ma maison. What the fuck? Les chiens ont un collier juste énorme. Je ne comprends pas. C'est le pack ou... What the fuck? Je sais pas si c'est la nouvelle version qui fait ça. Ou si c'est le pack, mais les colliers, ils sont un peu abusés. Je vais vous montrer d'ailleurs le petit passage secret. Ah bah, tiens. Là, j'avais dû mettre un petit coffre ou je sais plus ce que j'avais mis pour cacher ça. Ça devait être un four sûrement. Puis quand on le cassait, voilà, on avait accès à toute une réserve de stuff si jamais je me faisais attaquer par ceux qui jouaient en ligne avec moi. Donc c'était mes potes, mon frère, etc. On s'amusait plutôt assez bien. Par contre, comment on passe par là? Ah oui, en fait, je sais pas pourquoi là-bas c'est cassé, mais normalement c'est la table de craft, c'est la table de craft qu'on devait casser pour passer dans le passage secret. Moi, je me mettais là pour voir si jamais les ennemis arrivaient. Bref, c'était vraiment, c'était vraiment un truc de ouf. Pourquoi j'avais construit un château, une espèce de cabane en l'air? Tout simplement car dans ce seed il y avait directement une île ici qui volait. Du coup moi j'ai mis un petit jump pour y accéder et pour faire tout simplement ma petite maison. Et puis j'avais envie d'une maison plutôt sauvage, donc j'avais réussi ce que je voulais faire. Hop, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, je sais pas du tout ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas vu pour l'instant de choses extraordinaires. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un autre monde. Si vous voudrez, je vous mettrai ce monde-là dans la description, comme ça vous pourrez aller visiter tout ce qui vous passe par la tête. Si vous avez envie de visiter le moulin que j'avais fait, ce que je vous recommande vivement parce qu'il était vraiment énorme, je vous le mettrai la map en description. Bref, on va quitter ça. Et puis, par contre, je vous la mettrai en point zip parce qu'en point mcpack, ça va être assez compliqué comme c'est une vieille map. Après, de toute manière, j'avais fait un tuto pour ceux qui sont sur iOS puissent télécharger des maps en point zip. Ok, voilà, on vient de spawner dans le monde. Du coup, bah, pour l'instant, logiquement, il fait jour. Tiens, on spawn à côté d'un marécage, ça tombe bien. Pour l'instant, ouais, il fait jour, ça fait pas du tout peur. On n'est pas du tout dans un univers sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer les cheats, paramètres. Ah bah, de toute façon, ils étaient déjà activés. Voilà, parfait. Donc là, il fait nuit. On va se couper du bois. J'aurais dû me couper du bois un peu avant parce que là, ça va être un peu le bordel pour survivre en pleine nuit. Logiquement, si on en suit le concept américain, on devrait voir Herobrine un petit peu partout. Ou des tombes aussi. Il y avait des tombes avec de la lave, comme vous avez pu le voir dans les miniatures des youtubeurs américains. Je pense pas du tout que ça va arriver, honnêtement.
Ok, bon re tout le monde, du coup j'ai eu le temps, hop, voilà, parfait, de me faire une petite épée. Je viens de tuer un zombie plutôt difficilement à la main. Pour l'instant, on peut rien apercevoir de c'est spécial que ça, hein, c'est vraiment un monde totalement normal. Il n'y a absolument aucune éruption d'Herobrine ou de tombe totalement bizarre. Voilà, donc je pense qu'on peut affirmer que ce que les Américains disent, c'est totalement du fake. Là, à mon avis, il doit être 20, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça ne marche absolument pas. Tiens, de la lave. Je vais aller vers la lave quand même pour voir s'il n'y a pas une petite, une espèce de sorte de tombe. S'il y aurait ça, ça serait vraiment hyper, hyper stylé. Le hasard serait vraiment hyper bien fait. Ok, une petite grotte tranquille. Mince, j'ai plus de. J'ai plus assez de nourriture pour manger, donc on va aller voir ça là-bas. J'ai pas pris par contre, j'espère que vous voyez plutôt bien parce que j'ai pas pris de shader qui permet de voir la nuit, donc c'est un peu con. Bref, voilà, là on peut voir qu'il y a absolument rien, c'est juste une flaque de lave totalement normale. Ça dit absolument rien, là c'est juste. Voilà, c'est juste un espèce de L et un espèce de O. Après, voyez ça comme vous voulez. Mais bref, il n'y a absolument rien. C'était juste un gros fake. Voilà, donc on peut dire que les youtubeurs américains ont fait des vidéos totalement fake. Après, je ne suis pas resté 500 ans dans le monde. J'ai pas pu vérifier à 100%. Mais à mon avis, je pense qu'il n'y a absolument rien. Ok, donc voilà les gars, du coup on peut terminer cette vidéo en disant que tout ce qu'on fait, les autres youtubeurs américains, etc., c'est que du fake quoi, c'est du 100% fake, ça ne marche absolument pas. Là du coup il est 3h et quelques, il doit être 3h30 à peu près, j'ai joué un petit peu plus longtemps que ce que vous avez vu, j'ai fait quelques petits coups. Petite coupure entre temps, mince, je suis tombé. Du coup, B, voilà, on peut dire que ça ne marche absolument pas, que c'est juste vraiment du gros gros fake. Donc voilà, c'était Dan Vidéo, je vous laisse. Peace. Par ici, ça s'affiche pour une paire de Stan Smith. Crack, shit, la drogue, tourne plus vite les cartes, schmitt, les gars, sneak. Histoire, territoire, comme la Delca, je pire, prends Garfield. Si tu veux te la couler douce comme Garfield, leur garçon. Ça joue les Alpes, pas le champ Garcia. Par ici, les caleçons se changent moins vite les cartes. Si moi, je garçon, entre envie et jalousie, rien que t'as le seum. Mais pour réussir, me vois avoir le bras long comme Dalsim. Glaçon dans la.